Je suis Mel You, Akrelo Badibi, producteur réalisateur de la série Blog. Moi, je suis Saint Marcel, directeur photo sur la série Blog. Donc, Blog est une série de 12 épisodes de 26 minutes qui parle d'une mamie à la retraite qui s'ennuie et qui tombe amoureuse du web, qui décide de devenir une blogueuse. Être nominée au FESPACO, pour nous, c'était juste... Waouh, on ne savait même pas si on devait se réjouir tellement ça avait l'air irréaliste. On est très, très heureux. On est très heureux, on se sent honoré, on se sent vraiment fier. Bon, déjà, être nominée, pour nous, c'est déjà beaucoup. Être nominée, c'est déjà beaucoup. Mais on aimerait repartir avec le trophée. Alors, nous avons 20 films qui compétissent pour les talons d'or. Sur les 20 films qui compétissent, la Côte d'Ivoire a un film. Donc déjà, elle a gravi des échelons. Il y en a plusieurs pays qui n'ont pas eu la chance d'être nominés parmi ces 20 films. Mais la Côte d'Ivoire a été nominée avec le film Résolution. Mon directeur photo, donc celui de Blog, a été un des réalisateurs de ce long métrage. Et tout comme Blog, c'est vraiment c'est la première production de cette maison de production. Ils sont vraiment jeunes et être placé parmi les 20, c'est énorme. On n'y croyait pas, hein, honnêtement, parce que pour des jeunes réalisateurs, c'est notre tout premier long métrage. Et pour le cinquantenaire, participer à ça avec notre film, vraiment, c'est énorme. Et on dit déjà merci à tout le monde. On a une des scènes où elle court, elle est un peu fatiguée, elle est paresseuse et à sa cousine, l'actrice principale Alice, qui essaie de la motiver. Et vous savez, à un moment, on voit l'acteur, donc on voit l'actrice en question qui est censée courir, mais qui court de façon paresseuse, qui se met à filer, piquer un sprint. Et on découvre en fait qu'elle est poursuivie par un gros chien dans le quartier. Et cette scène-là, quand on a tourné un chien qui était quand même assez féroce. Mais on avait le dresseur qui était là, on se dit, bon, le dresseur est là, il n'y a pas trop de problèmes, tout ça. Et durant ce tournage, le chien a changé le scénario. Il est devenu énervé, on l'avait accroché à un portail, il a arraché le portail. Je vous dis, en 3 secondes, les 30 membres de l'équipe avaient disparu. J'ai vraiment aimé le tournage parce qu'il y avait un dynamisme de ouf là-dessus. L'équipe est vraiment jeune, hein, très jeune et surtout très motivée. On est vraiment très content d'être au FESPACO. Ouagadougou est vraiment une très belle ville avec des personnes très accueillantes et très, très hospitalières. Et être à ce festival, c'est vraiment du bonheur. Et on souhaite repartir à Abidjan les mains pleines de, bon, moi, le trophée, pour lui peut-être 2, donc avec Blog et Résolution. Et longue vie au FESPACO et longue vie au Festival africain. Coupé.